Alors, la vue. Bah, pas mal. Ouvre. Il y a le théâtre à Romane. Oh, il fait nuit. Il y a la moustiquaire, il y a la fenêtre. On voit pas énormément. Ah, quand même. Eh, hey, joli. Ouais. C'est vraiment sur les hauteurs. Ouais, on va se faire les jambes. Ça, c'est le théâtre alors. Ressemble. Bon, on est arrivé à Amman. La route au début était cool, mais après c'était pas facile. Hein. Dans Amman, pff, oh là là, bon, on l'avait lu, hein, on avait lu que la conduite c'était un peu Bagdad quoi. Et là c'était du grand n'importe quoi. Les voies sont pas dessinées, les gens ils roulent de partout. Enfin, ce que je disais, le but c'est pas de rouler dans ta voie, c'est juste d'esquiver les voitures. Mais on arrivait entier. Ça c'est bien. Encore demain, après-demain, et c'est bon, on aura survécu. Voilà, donc là, bah, c'est le soir déjà, donc je pense que là, on va laisser Liam un peu marcher. Il était très sage dans la voiture. Il n'a pas beaucoup râlé, juste un peu à la fin, il en avait marre. On va le laisser un peu marcher, après on va aller... Oui, après on va aller se balader, on va aller manger, et demain... Demain, on va où demain? Bah, je sais pas, on va faire le plan là. Ok, on fait le plan et on voit. Ouais.
le soir. En fait, aujourd'hui, on a pas mal filmé, mais on n'a pas du tout parlé, on n'a pas expliqué, non, ouais, etc. Du coup, on voulait faire la vidéo un peu à l'envers, vous raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, même depuis hier soir qu'on est arrivé. On est arrivé hier soir. On est arrivé hier soir. On se galère dans la ville, mais ça, je crois que tu l'avais dit. Je l'avais dit, ouais. Et on allait manger dans un petit resto à H&M. H&M. Traditionnel, c'était très bon. Mais ça, je crois pas aussi. Je sais plus. Et du coup, ce matin, en fait, notre hôtel est hyper bien situé. Il donne droit sur le théâtre antique romain. Attends, on va faire un truc. Donc ce matin, en fait, notre hôtel, il est super bien situé. Du coup, ce matin, on est allé visiter le théâtre antique romain qui est juste en face de l'hôtel. On a vu dessus. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Ça monte pas mal. Il est vraiment très très pentu. Il est très grand. Très beau. Et vraiment, c'était cool. Là, il faisait sa sieste pendant ce temps, porte-bébé, donc c'était sympa. Ensuite, on a marché un petit peu, on s'est perdu dans les petites ruelles et on est tombé sur le marché de fruits et légumes. Trop bien, franchement. C'était plein de petites rues, plein de beaux fruits, de beaux légumes. On a acheté des petits gâteaux, des petites pâtisseries. Et ça coûtait que dalle. C'était cool, plein d'odeurs, de couleurs. Franchement. Vraiment, nous, de toute façon, à chaque fois qu'on va voir une ville, on va visiter le marché, donc on adore ça. Après le marché, c'était l'heure de manger, du coup, on est parti voir Rainbow Street, donc c'est un peu la rue très connue ici, un peu branchée, on va dire, il y a des cafés, des bars, voilà. Et il y a aussi un petit boui-boui de sandwich de falafel, on entend Liam qui est hyper connu. Non. Enfin, l'appel à la prière. Hyper connu là-bas. Du coup, on a profité, on allait manger là-bas. On paye un jod pour un sandwich falafel et la boisson. Vraiment pas cher. Excellent. Steve, je crois qu'il a filmé pendant qu'il était en train de faire les falafels. C'était trop, trop bon. Du coup, on a mangé ça. C'est sur un banc devant. On a fait la petite rue. C'était sympa. Par contre, ça monte. Hein. Ça monte. Ça monte. Mais bon, c'était cool. Et après ça, on est rentré à l'hôtel faire la sieste de Liam. Et donc après la sieste, dès que Liam s'est réveillé, on est vite parti parce qu'on voulait arriver avant le coucher du soleil à la citadelle d'Aman. Donc là, c'est tout en haut de la ville en fait. Au cœur de la ville, donc c'est des vestiges romains. Je dis pas de bêtises, il me semble. Et ça surplombe la ville, donc c'est trop beau. On a la ville tout autour à 360. Enfin, bon, vous voyez quoi, c'est juste magnifique. Et donc on voulait voir le soleil se coucher sur la ville. C'est vraiment beau. C'était vraiment grand. On n'a pas pu tout voir, mais il y a vraiment plein de vestiges différents. C'est vraiment cool. On vient d'arriver à Gérache, comme ça qu'on dit, Gérache. Gérache, qui est un autre site archéologique, qui est quand même assez vaste. Une ville à une heure à peu près au sud d'Aman, on a fait une heure de route. Et dans la ville, au cœur de la ville, il y a un grand site. En fait, c'est l'ancienne ville, voilà. L'ancienne ville de Gérache, quoi, qui est très 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 vieille. Je crois 200 ou 400 avant Jésus-Christ, je sais plus, j'avais lu ça hier. Et la nouvelle ville, qui est là, quoi, qui est collée à la vieille ville. Donc voilà, on va faire cette petite visite. C'est sympa, on a vu, c'est encore en cours de restauration en fait. Le site archéologique a été pris par un groupe international qui le gère. Et en fait, chaque petit groupe gère une partie du site.
Donc j'ai vu qu'il y avait même un groupe de Français qui gère le temple de Zeus encore aujourd'hui, qu'il rénove. Et voilà, là je vais vous montrer, c'est magnifique, c'est immense. C'est un très grand site. Ouais, c'est magnifique. Qu'on est dans le marché. Du coup ici c'était le boucher, je crois, c'est ça. Hein, c'était chez le boucher. Et ici il y a encore les restes de la table sur laquelle il mangeait. Et là on voit tous les coups de couteau. Là, pas les manger, mais il coupait la viande. Ah, c'est là où il coupait la viande. Là on voit encore les traces de tous les coups de couteau qu'il y a eu. Les animaux. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est des animaux. Ici on voit des animaux. Il a dit que c'était des lions, mais je crois pas. Non, le dernier, lui, c'est un lion. Lequel? Ah, lui, là, c'est un lion, et ça, c'est quoi? C'est des biches? Un c'est biche et cerf, je crois, ouais. Biche, cerf. Voilà, c'est les pieds de la table, quoi, avec des animaux. Et c'était ce qu'il mangeait, sauf le lion. C'était ce qu'il mangeait, oui, sauf le lion, évidemment. On mange pas de lion. Et ça, au milieu, c'était la fontaine. La fontaine avec un canal qui creusait là-bas, qui apportait l'eau à la fontaine. T'explique? C'est ce qu'il nous a raconté. Ça, c'est les pierres qu'il y a. Les pierres qu'il y avait là-haut. Comme sur les colonnes. Donc, c'est une espèce de pierre avec du métal à l'intérieur. Elles résonnent quand on les tape entre elles. Et du coup, les colonnes là, elles bougent. On va vous montrer. Et en haut, ils plaçaient ces pierres avec du métal à l'intérieur, comme ça, quand il y a tremblement de terre, les colonnes elles bougeaient, mais elles ne s'effondraient pas. Les pierres se tapaient entre elles et ça faisait une sorte de système d'alarme pour prévenir des tremblements de terre. Et bon, déjà à cette époque, ils faisaient des colonnes comme ça anti-sismiques, quoi. Et on va voir, c'est vraiment bien fait. Mais n'empêche que la ville a été partiellement détruite dans un gros tremblement de terre en je sais plus combien. Ouais, bah regarde, ces colonnes, elles sont toujours debout. Ouais, ça se trouve, elles ont été restaurées, hein. Non. Thank you.
Je crois que je me suis jamais retrouvé dans des rues comme ça à cette heure-ci avec autant de monde. Genre même à Shanghai ou à Pékin, il y avait du monde la journée, mais pas la nuit comme ça quoi. On se sent un petit peu oppressé avec Liam et la poussette. On vient d'aller manger dans un restaurant super bon que nous a trouvé Alison. Restaurant, ça vient vraiment, mais... Ouais, c'est... ça ressemble à un fast-food, mais c'est quand même un truc de grillade, quoi. On a pris... Il n'y avait pas de carte. Il y a quoi? Et en fait, il nous a fait un mix, mais en retour, là, après, il pas ça. Ouais, il y a beaucoup qui avaient pris ça, un mix grill, quoi. Il y avait de la saucisse, il y avait du bœuf. Hyper local, le truc. Des trucs qu'on savait pas trop. Ouais, c'était super bon, c'était cuit au feu de bois. En tout cas, ça avait un bon goût fumé. Ouais. C'est excellent, ça s'appelle Sherazade. Voilà, c'est une bonne adresse ici. Ouais, il faut pas s'attendre. C'est local, local. Bon, oui, il y avait que des locaux, clairement. Ah oui, clairement. Mais c'était très bon. Voilà. On est de retour à Manin, après Gérache. Oui, oui, oui. Gérache, on a fait que l'aller-retour. Du coup, là, on a pris un petit dessert, tu nous montres. Chez Habiba Sweets. Et c'est marrant parce que la description c'est cheesecake. Du coup je m'attendais à cheesecake. Alors oui. Ouais. Enfin, quand j'ai vu écrit cheesecake, je me dis que c'était peut-être une sorte de cheesecake. Ben moi je sais pas du tout ce que c'était. Hein. Ben, en tout cas, quand ils disent cheesecake, c'est vraiment cheesecake. C'est fromage mais style gruyère. Un peu comme du gruyère fondu avec un truc sucré autour. Ouais, voilà, pistache miel. C'est pas mauvais. C'est sucré salé. C'est spécial. Bon, c'est plutôt bon. On va manger ça à l'hôtel, là, se poser, sortir de ce brouhaha. Que Liam puisse se défouler un peu avant de dormir et nous manger notre dessert. Avant ça, on est allé au marché, là, on a acheté ah oui. Des dattes, des figues, des noix de cajou, des abricots secs, enfin un peu de tout. On n'a pas filmé, c'est dommage, mais je crois qu'on avait filmé hier. On avait filmé hier. Comment s'appelle le truc que tu nous as fait acheter là, multicolore? Quoi, multicolore? Ouais, le sac qui est en bas là. Je vais rechercher. Je vais vous montrer, je vais filmer dès qu'on rentre à la maison pour vous montrer. J'avais vu qu'on pouvait aller à l'endroit où ils les font pour voir, genre ils lancent au plafond. Mais c'était pas un peu plus loin. Et là, du coup, vu qu'ils les ont vendés. Et bon, on en a acheté. Pour goûter, désolé, on cadre très mal, mais il y a beaucoup de monde. Et encore, rien par rapport à. Tout à l'heure, on n'aurait pas sorti le téléphone. Hein. C'était ouf. Bon, allez, on arrive bientôt à l'hôtel. Enfin, bientôt, presque. On vient de faire un petit stop pour faire un petit souvenir à Liam. C'est des petits pots avec du sable en fait où ils écrivent leur nom dedans, c'est sympa. Donc là, il est en train de nous le faire sur mesure. Lima Girls, yeah? Lima Girls? Liam, yes. Liam, yeah. It's my son. Ok. Ça va, pas trop galère? Attends, je vais prendre la poussette.